Trinitat, donc avec cette capacité d'accueil, cette tradition d'accueillir le maximum de personnes. Aujourd'hui, on n'avait pas de lieu pour accueillir des groupes ou des familles nombreuses ou aussi des séminaires d'entreprise. Et donc, on a voulu avoir un lieu beau, qui dans un très beau cadre, au bord de dans ce parc régional des Boucles de la Seine Normande, pour pouvoir accueillir tous ces jeunes avec un cadre qui sera ressourçant et qui permettra justement pour peut-être une ou deux journées, ou voire un peu plus, à des personnes de pouvoir connaître un petit peu mieux la vie monastique, mais aussi leur propre vie de spiritualité, enfin d'ouvrir l'âme vers les choses d'en haut, de se dire que ben, on est des hommes avec une âme et que Dieu fait partie de notre vie et qu'il y a un trésor en nous à développer. Et je pense que ça, on peut le développer au bord, près d'une communauté d'hommes qui a donné sa vie pour ça, tout à Dieu, et de pouvoir transmettre un petit peu notre expérience de cette vie de Dieu, cette vie de proximité, de prière, et dans un lieu où il y a une sorte de fraternité qui va s'établir. On a voulu un projet qui soit intégré vraiment dans le paysage, avec du colombage, du béton de chanvre, de chaux, pardon, et aussi avec une petite chapelle où il y a un lieu voilà, où les gens pourront prier. Et puis, s'il y a besoin de bénéficier d'une forêt juste à côté, d'un marécage avec des peaux d'Écosse, avec des chevaux de Camargue, voilà, un lieu ressourçant, et la possibilité aussi de parler avec, évidemment, un moine qui sera là à leur disposition. Et je pense que ce séjour, qu'il soit de quelques jours ou quelques heures, pourra toujours être enrichissant pour tous ceux qui pourront venir ici.